Yahoo Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo ouverture de colis Wish. Et cette fois-ci, on va être sur le thème 100% K-pop. Donc si la suite t'intéresse, continue. Je tiens à m'excuser en ce qui concerne cette vidéo. Je ne vais pas avoir 36 000 goodies et 36 000 groupes. Car tout simplement, ce sont des cadeaux pour mon anniversaire, même si je sais... on est assez tard au niveau du mois. Moi, le jour où je filme cette vidéo, nous sommes mardi 28 juillet. Mon anniversaire, c'était bien le 8 juillet, mais je n'ai reçu que les colis ce week-end pour moi. Donc, j'ai pas pu faire la vidéo plus tôt. C'est ça, je tiens à m'expliquer pourquoi je ne t'ai pas présenté et posté cette vidéo plus tôt. C'est tout simplement que je n'avais pas encore reçu ma commande. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Je tiens à m'excuser, donc c'est un seul groupe, enfin un seul groupe slash sous-groupe. Ça va être les NCT slash Super M. Donc voilà, on va avoir... Je crois qu'il y a peut-être un chanteur que de Super M qui n'est pas de NCT, mais en gros, voilà. Donc j'ai tout reçu dans les petites enveloppes comme ça, jaunes, qui étaient enroulées toutes dans une enveloppe grise, vu que, en fait, j'ai pas fait exprès, mais j'ai tout commandé apparemment au même vendeur, faut croire. Et ça m'énerve que ces mèches ne soient pas lisses, donc je m'en excuse. Donc on va découvrir tout ça ensemble parce que moi j'ai juste coupé pour que ça soit fait avant la vidéo, mais c'est tout. Alors c'est un porte-clés en matière solide, en matière simple plastique avec Mark. Parce qu'il faut savoir que Mark et Taeyong, ce sont vraiment mes chanteurs préférés dans NCT et surtout dans Super M en fait. Donc voilà à quoi ça ressemble. Elle est trop belle la photo. Et il y a le petit logo de Super M ici. Voilà. Oui, je sais, je n'ai pas fait tout maison. Je suis désolée. J'ai pas eu le temps. Donc on va les replacer juste dessus. Donc dans celui-là, il n'y avait que ça. Ok. Celui-là, il a l'air un peu plus épais. Donc, j'ai très très hâte de découvrir. Il faut savoir que j'ai déjà les sortes de gros badges ronds. Où t'as un où il y a écrit le nom du chanteur et l'autre où il y a la photo. Oh ! Les petits trucs qu'on peut mettre au portable. Ça, j'adore. Hop. Allez, ah. Donc, c'est ça, les petites sangles avec un mousqueton. Voilà, et NCT, voilà. Alors il faut savoir que j'aime bien NCT 127 et NCT Dream. Donc en fait, pour te donner une idée, voilà, tu as mon téléphone et c'est principalement fait pour faire ça. Ah, alors, avec les ongles, c'est un peu compliqué, voilà. Et comme ça, tu glisses ta petite main et là, tu es tranquille, même si tu places ton doigt là. Avant qu'on te le vole ton téléphone, t'es tranquille. Donc, j'avais trop trop hâte parce que j'en ai un avec écrit, je sais plus si c'est Léo ou Vex, le nom du groupe. Mais toujours est-il, j'avais trop trop hâte d'avoir aussi NCT. Ici, on a une petite boîte des NCT, mais la version 2018. C'est 2018, je crois, celle-là. Il y a tout le monde. Ça tombe bien parce que je préfère cette catégorie parce que comme ça il y a tout le monde. Et comme j'aime aussi les Dream que les 127. Alors ça, je vais essayer de te montrer ça plus en face table parce que sinon il y a trop de cartes. À chaque fois il y en a une trentaine, je vais juste te montrer une ou deux. Oh, bah c'est la... Non, c'est pas la même photo. Ouais, bah non. Voilà, une petite carte de marque. Elle est trop beau. Une petite photo de groupe. Donc on va passer tout de suite en face table pour te montrer du coup le rendu de toutes ces cartes.
Ensuite, dans celui-là, du coup, il n'y avait que ça. Oui. Et donc, le dernier colis, j'ai très très hâte de savoir ce qui reste. Parce que je pense que ça doit être... Ah, voilà, c'est ça. C'est le même porte-clés que Marc, mais avec Taeyong, parce que je l'aime d'amour. C'est mon NCT favori. Franchement, c'est mon NCT préféré. Et donc, mon Super M aussi préféré. Mon numéro 1. Voilà. Là. Et... Hop là. Avec le petit truc. Cette vidéo spéciale Colis Wish 100% K-pop est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en commentaire épinglé la liste de 10 groupes de K-pop masculin et tu vas me dire tout simplement quel groupe tu voudrais voir pour la prochaine vidéo. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye!